Bonjour, Président Mathieu. Bonjour, Mme Mboka, journaliste. Président Mathieu, tout en Nzela Congola Télévision, chaîne Moko, Mboka, vous avez bien passé. Il y a eu l'actualité, vous avez passé dans la République démocratique du Congo, dans l'insérité dans Mobimba. Mme Mboka, Mathieu, bonne bonne santé, Mme Mboka. Santé, Nzambe, Azo, Pambola Bisso, Kane, Tozo, Koutanaboué. Vous avez bien. Tout est allé bien, bonne santé politique et la République démocratique du Congo. Santé politique et la République démocratique du Congo. Santé politique et la République démocratique du Congo, ils ont bien. Mamnion Souza au Zénith. Le président de la République, Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un leadership éclairé, il est en train d'assumer, il assume. Et Maramignon se disait bien, malgré les détracteurs Nabiso, malgré Banguna Mboka Oyo, Banguna Congolais, Banguna Congo. Mais dans l'ensemble, vraiment, on est dans le bon. On est dans le bon. On est dans le bon, mon Mboka Mathieu. Tout bêtement, moqué, voilà le chef de l'État qui prévu dans la Kenya Russie. Je suis comme on a assez de boycotté. Bon, assez de boy à voyage, qui est même atteint des représentants naïfs. Moi, je suis Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense. Et qu'est-ce que cela veut dire par là? Pourquoi il a refusé d'aller en Russie? Ben, Yosa Mopanzi Sango, je crois que vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez vu que la République démocratique du Congo a organisé un événement international. C'est-à-dire, par rapport à jeu et à francophonie. Et vous avez vu que Mboka na biso, avec tout ce qu'on a comme des valeurs culturelles, cet événement semble être vraiment l'événement le plus important, étant donné que c'est depuis le combat y a Mohamed Ali dans George Foreman. Oyo Ezaki organisé par le Zaïre à l'époque avec le défunt Marshal Mobutu, la République démocratique du Congo a tikala co-organisé le Soussou, événement international à une telle portée. Donc c'est suite à ces enjeux que le président de la République, avec son agenda qui est vraiment trop serré, très occupé, il a voulu continuer à le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, mon Mboka Jean-Pierre Gombo, pour représenter dans l'invitation à la Russie. Alors ce n'est pas aussi un péché, ce qui un président de la République, par rapport à l'agenda, ce qui a montré que non, dans une invitation, à une invitation, ou alors dans un sommet, ou alors un ministre sommet quelque part, il peut être représenté. Donc il n'y a aucun mal. C'était sommet aussi important, Mme Mboka, vis-à-vis des gens de l'air. Oui, mais c'est aussi très important que la RDC puisse organiser la francophonie. Donc il revient seulement au chef suprême de faire vraiment la chaîne de valeur. Koye Bani Nango est réellement dans Moutouya. Puisque eux ils toujours organisé, ça va à l'international, c'est-à-dire les autres qui ont décollé la RDC sur le plan international. C'est-à-dire la RDC est en train d'entrer dans les concerts internationaux, dans le sens à ce que Baye Bambo Ganabiso et la voix de la RDC puissent être écoutées par les ennemis ou alors par ceux qui ne veulent pas que la RDC est comme Bosomi, RDC est comme libre. Liberté ou en donc il y a ça la maramnaye na ndenge benaroma donc toujours bien un pays souverain donc souveraineté na biso ils a par rapport il y a ba partenaire na biso on peut choisir quel partenaire to kota mwana bango quel partenaire to kota mwana bango donc ils a souveraineté à République démocratique du Congo donc il y a aucun souci il y a aucun problème à ce qui concerne visite naye na botine d'ami. Il y a vice-premier ministre, ministre de la Défense, moi, Mboka Jean-Pierre Gombo. Donc, moi, je ne vois aucun péché.
Ok, péché, tant que tu as appartenu au temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de ville et à Limboka Moko, et passe du Congo, et Kinshasa, et passe du Congo pour la ville. Quand tu as une sortie médiatique, moi, je suis un peu de ville, président de la ville, Denis Sassou Nguesso, concernant le voyage à Kigali. À l'Obi, Rwanda, pour quelqu'un m'a marqué l'histoire du monde et aussi l'histoire d'Afrique, pourquoi pas du Rwanda. Pour cela, on a été obligé à aucun de visiter. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Bon, Rwanda est un maloba, Yamukonziamboka, Congo Brazza. C'est son point de vue. Donc, c'est par rapport à certains éléments où il est à évaluer. Et PC est résultat où les lois le que non, Paul Kagame et son Rwanda ont marqué l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde entier. Donc c'est un problème qui revient à Douanaye en tant que président. D'accord? Donc on ne peut pas discuter par rapport à un avis qu'un président de la République, d'une République, aurait émis sur. Gestion, il y a homologue naïe. Le temps que nous sommes en train de voir que Kinshasa, bah, dans la partenariat Morobo est très solide et très naturel aussi, la Congo-Brazzaville. Comment est-ce que la Congo-Brazzaville est tout ça, Bandeko, mon papa Koudou, mon papa Leki. Mais mon goût, mon sou, son menacé, mon meilleur, c'est attaché naïe. Parce que ça, là, c'est un corps sécuritaire aussi. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Non, non. Vous moi, dites, je... À mon sens, en tant que politicien, je suis en dimension mi balé. Ok, ok. La première dimension, c'est que, exactement, si je suis en conflit avec toi, que Bakamar Nayo, Bakoti Mbalamoko na conflit, ou alors Nazoko Misabango, ba ennemi nanga de façon directe ou alors indirecte. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont un conflit, nande komoko, ou alors Muninga na biso moko quelque part. Ça ne sous-entend pas que forcément, là, il faut comme ennemi, Yabatouana, non. Donc, on sait que nous évoluons dans un monde qui est basé sur les intérêts. C'est-à-dire, et le remont que ça les sans intérêt. Nous toujours ça là, et ça m'a intérêt. Alors, il y a de rapports ou alors de forces au réseau ça là que non, Congo Brazza, bah, c'est soudé dans Rwanda. Ce qui est tout à fait logique. Mais ce qui, moi, en Boka, Denis Sassou Nguesso, a une carte, a une carte, ou alors il fait ça pour déstabiliser la République démocratique du Congo, a dit qu'à la Koye, la République démocratique du Congo a compris de bénard magier. Il n'y a pas pays union sur environnant. Donc, si nous pouvons commencer par le débit, vous voyez que non, Batoyo, Bakabo, la République démocratique du Congo, Bazoa, République démocratique du Congo, comme le bien commun. Mais c'est là que il y a Batunio, Somutunio, soit quoi, la République démocratique du Congo, à circuler, à sali trafic, à sali makam, après à Simizela, à Kei. C'est-à-dire, République démocratique du Congo, et Zakinesi, moi et l'eau, moko, y a Batunio, c'est-à-dire, quand on a évolué avec le temps, les Congolais ont eu une conscience responsable. Ça veut dire qu'on est très éveillé, on est tellement regardant par rapport à Ognon Sezo Salema, tout autour Nabiso, à ce qui concerne le pays Oyo, Tozokabo Anabango, frontière. Ce qui est sûr, il faut reconnaître ça, il faut que ça reste vraiment dans la tête des Congolais et la tête du monde entier. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne va pas refaire la République démocratique du Congo. Tout de même, on ne va pas refaire le Rwanda, ni le Congo-Brazza, mais même l'Angola, le Soudan, la République centrafricaine. C'est-à-dire, Toza, ba voisin, et on est condamné à rester dans cet état de choses jusqu'à la fin de... Si peut-être, voisin, mon cas, au moins, comme qu'on dit, il y a ma baie, qu'est-ce qu'on faut faire? Non, mais pourquoi vous voulez... J'ai l'impression ici que... Les Congolais bazo atténué l'oromoko yamabe, mais moi je ne peux pas aller dans ce sens là. C'est à dire ce qu'on doit reconnaître, c'est que même la guerre la plus longue qui a pu exister sur cette terre, batubabana kosolola, batubabana kokutana, batubabana ko évolué dans le sens
Yakozunga toujours ensemble. Je parle de la guerre, la première guerre mondiale. À la fin de toutes choses, il y a eu un consensus qui a été dégagé. Il en est de même de la deuxième guerre mondiale. La guerre en Ukraine aujourd'hui, malgré que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, mais la possibilité, il y a médiation. Ils ont continué comme ça là, dans le sens qu'ils ont trouvé une solution de façon pacifique. Alors, moi je ne vais pas trop spéculer sur la visite du président Sassou Nguesso au niveau à Rwanda, du moment où ils doivent travailler pour l'air de peuple, pour des peuples. C'est-à-dire le peuple rwandais, le peuple du Congo-Brazzaville, doivent travailler dans un seul objectif de promouvoir ou alors de propulser le développement à travers l'Afrique. Je peux vous dire, aujourd'hui, la RDC est en train d'organiser le G de la francophonie. Mais je peux vous dire que non, la secrétaire générale de la francophonie, mais c'est une Rwandaise. Est-ce qu'on peut... Mais il n'a pas venu. S'il vous plaît, non, elle va venir. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas venu. Elle va venir. C'est une confirmation que je suis en train de vous faire. Mais elle va être là. Francophonie, c'est dans quelques jours aussi. Oh. Mais elle va être là. Elle devrait venir avant ou après. Le problème, c'est qu'elle sera là. Cela ne peut pas susciter un débat. Vous allez tous constater que la secrétaire de la francophonie, à Rosana Bissau. Ça sous-entend que ceux qui sont en conflit avec un président ou alors un pays, cela ne veut pas dire que non, tout cas, tu as une relation qui est Pambate, c'est nos populations qui vont en souffrir, qui vont en pâtir. C'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, avec sa sagesse tellement avérée, a boycotté le pays de Babylon qui a été ma relation na le peuple rwandais à ce qui concerne échange na ba commerce et ça entre deux pays, donc ça doit évoluer naturellement. Cela veut dire par là, vous pouvez dire que nous avons une très bonne relation avec le Rwanda aussi. Vous avez dit quoi? Cela veut dire ce que j'ai vite compris, c'est que tout ça na tout peu malam tout ça na bonne relation na Rwanda Rwanda aussi. Je veux dire, cher ami, il faut m'écouter, il faut comprendre, faire comprendre aux Congolais. Ce que nous devons faire comprendre aux Congolais aujourd'hui, c'est que dans une famille ou alors dans une communauté, s'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, les conflits peuvent se résoudre. On peut chercher des pistes de solutions pour résoudre le conflit. Mais on ne peut pas prendre la vie d'une nation ou alors la vie d'une autre nation exposée, puisque tout ça est en conflit, alors tout le monde qui est en Rwanda, il y a des choses. Si na giseni ba yakote kabilo na bangote ou alors ba kongole ba kokatsa ba kota na Rwanda pour ba ki te kabilo na bangote. Vous regardez bien, il y a cette coopération qui continue, il y a vraiment cet esprit de collaboration qui continue, et c'est par rapport à nos populations, n'est-ce pas? C'est-à-dire ba population na bazana pour ça ya ko ça ba troc pour ça ba échange pour ça côté ba produits agricoles na bango. On ne peut pas solder ou alors sacrifier un peuple puisqu'il y a un conflit, non. Donc on doit comprendre réellement que la population reste vraiment sous l'abri, il y a un conflit. Mais nous pouvons continuer avec l'échange Nabisso à ce qui concerne l'aspect commercial, l'aspect trafic. Donc ça ne veut pas dire que non, quand le président Sassou Nguesso a eu le temps d'être avec son homologue Paul Kagame, Bisso na Congo, Toyo Kakanda, tout amplifié. Non, nous on doit faire vraiment les efforts. C'est ce que le président de la République est en train de faire dans le sens qu'il y a qu'on protéger Mbokana Bisso. Au moment là, qui pena vraiment donc le spectacle, Samakiawa, le samedi passé, vous avez vu l'arsenal militaire que le Congo possède aujourd'hui. Donc c'était une marche de dissuasion pour la relaxer. Mbokana Bisso que non, notre armée est en train d'être organisée par les leaderships du président de la République, Fatih Béton. Et à Blagté, la minute où il y a des toujours de plus en plus fort. Paul Kagame, il y a un peu de Denis Sassou Nguesso, il y a un peu de président Nyonsu, il y a tout autour. Il y a un peu de et les forces armées congolaises sont en train de monter en puissance. Vous avez entendu ce qu'a dit
le représentant et secrétaire général il y a Nations Unies, Bintou Keïta, à qui nous saluons la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et on est en train de travailler sur la transition. La transition, il y a gestion, il y a MONUSCO, la gestion, il y a force armée congolaise. Ne vous en faites pas, la RDC, il y a eu une prise en charge totale. Merci beaucoup, Mwanamboka Mathieu. Liberté en téléchargement de Jean-Marc Kabound. Après avoir Kouramoutou injustement, vous êtes en train de télécharger son liberté. Je ne sais pas si déjà il est sorti ou bien, mais je pense qu'il est en téléchargement. Ouais. Comment vous avez trouvé après avoir Kouramoutou Naboloko Tamoulaï, puisqu'il y a une année déjà? Oui, merci. En politique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Tout de même, il n'y a pas des amis éternels. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Kabound, à cette côté de l'Union sacrée, en où vous avez... Non, c'est pas ça que je veux dire. Libéré. Je sais pas ce que je veux dire. Nalobi Boué, en politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Oyo akoki azaki bourron no lobby akoko ma meilleure alliée no lelo. Je donne juste un exemple. Qui a massacré les combattants? Qui a tué les combattants? Qui a enlevé les combattants? Qui a mis vraiment de la pression na ba combattant ko le ka Joseph Kabila Namboko? Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'il y ait des pestes pouvait être allié avec M. Kabila? C'était impensable, personne ne pouvait croire, personne ne pouvait accepter ça. C'est ce qui revient à dire, toi, ça m'a congolais, que Jean-Marc Kabound, au départ, hein, pour tout commencer, Aza congolais. Ça n'engage que moi. Et dans notre parcours, il y a eu des incompréhensions, il s'est méconduit. Il s'est comporté comme un ennemi. Il y a pouvoir Oye Moko Azaki, constructeur, initiateur. Il y a Moko Benam Azamu Tomasolo, Obiso Tosan Angolelo. Mais il s'est fait adversaire, il y a pouvoir Anaye Moko. Et le jour où il avait déposé sa démission, en tout cas, il y avait une grande majorité, et à bas combattants que nous sommes, on avait souffert. Quand on avait appris sa démission. Et il y avait quand même une sympathie en son nom. Mais là où on n'était pas d'accord avec Jean-Marc Kabound, c'est quand il avait convoqué tous les journalistes du monde entier pour critiquer le pouvoir, pour critiquer le président de la République, le traitant d'injustice aussi longtemps que tout ce que lui a eu. Il a eu après ses pouvoirs, puisque avant le pouvoir, Jean-Marc Kabound n'avait rien. On connaît l'homme, on connaît son histoire, on connaît son parcours. Mais comment est-ce que le pouvoir qui t'a tout donné, IDPS qui t'a tout donné, aujourd'hui tu peux te léguer contre ce même pouvoir? C'est là où en tant que combattant, nous n'étions pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, s'il a été arrêté, il a été arrêté par rapport à ma propos naïe. Discours-toi contre le président de la République. Et il devait être traduit en justice pour prouver réellement naba propos naye à justifier. Tant Oazolo Bakeno, Bambongo et Zolongwa, des milliards de dollars, des millions de dollars, et Zokene naba banque étrangère. Donc, dans un État qui se dit des droits, il y a quand même de quoi reprocher à ces messieurs-là. Et on devait l'appeler pour qu'il puisse effectivement justifier ses propos. Donc là, ce n'était pas de l'acharnement, c'était juste l'inviter pour atalisa réellement que Makambo Oya Lobiwana Azana va prévenir. Puis c'est là il avait craché sur le pouvoir. Et s'il y a le pouvoir Oyo, et trouvant pénalement donc pouvoir Moko cohérent par rapport à la gestion Mboka, et le pouvoir à Fatih Béton. Pour vous dire, nous avons été là, nous avons combattu, j'étais à la campagne, dans le fin fond du Grand Kassai, et aujourd'hui je suis là,
Et je n'ai rien eu comme travail, comme opportunité. Ça veut dire, naïbi que non, Moussala et Zoya, Mamnang et Zosimba. Mais ce n'est pas pour autant dire que je peux jeter de leur propre sur les dirigeants de mon parti. Je ne peux pas jeter de la discrédit sur le régime où Ngamoro Benar Manaza, partie prenante. Ça ne peut pas se faire. Alors, Kobimanaye, Nakasia Boloko, ce n'est que normal, nous on ne peut pas interférer dans le monde de la justice. Il y a un que non, ceux qui ont réellement état de droit, il faut que tout le magistrat, le juge, 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 le liberté provisoire. Moi, je ne vois pas pourquoi ça peut me choquer. Ou alors, il y a étant donné que c'est un Congolais, c'est quoi des pères et des mères. C'est-à-dire, le problème est dans la liberté provisoire. Ceux qui sont dans la vie, ils ont dit que non, ils ont dit ça, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème si exclusif avec lui. Voilà. Merci, merci beaucoup, président Mathieu. Tu es bien, Katia. Souka, je suis un peu plus loin. 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 Mais ça, je suis un peu c'est que le président de la République, Fatih Béton, il a fait la preuve d'une grande maturité. Donc, un leadership éclairé. Les lots, Tozana Miloulou, vous avez vu que notre ville est sur une haute surveillance par rapport à la tenue, à l'AG et à la francophonie. Donc, Makambo, est allé opposition, est allé pouvoir. La marche est prévue le 29. Bati Kabouzoba. Bati Kabouzoba, puisque Wana, Baromona, Benar, Maguenon, dans une république responsable, va permettre le Bango Bassa Kabouzoba, puisque Katumbi, Fayoulou, le problème est que ça saboté l'événement international. Puisque ce qui est la francophonie et Salemi, ça va entrer dans les actifs du président de la République. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens pour déstabiliser le pouvoir. Mais tu as tellement éveillé. Ils ont fait des choses. Donc, il y a des gens qui sont congolais, c'est mon conjambouka, Fatih Béton. Et tout ça, il y a un événement Moussoussou, et ça, événement, il y a élection. Tant que ça, il y a des au pouvoir, ne peut jamais compromettre la tenue régulière des élections. Étant donné que, bisomoko tout ça, victime, il y a tenue régulière, il y a élection. Donc, nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas faire le contraire de ce qu'on avait condamné hier. Tu as dit que non, Thérèse Kapangala, il y a de grandes fiches, de grandes têtes d'affiches qui ont donné de leur vie pour la tenue régulière de ces élections. C'est-à-dire que nous avons dit que nous avons dit que la logique, il y a un glissement. Glissement est exacté. Tout est dans l'élection. Tout est Fatih Béton, deuxième mandat, il y a Kitoko. Avec une majorité impolie, les Balobaka. Une majorité confortable pour permettre à Abou Misamboka, ce qui est par rapport à ce qu'il est en train de faire à travers. La RDC, en tout cas, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Talaba Kabila ou Basala Penama Babloko y a ba francophonie avec des stands démontables. Et ça qui n'a esplanade y a martyr. Ok, Penama donc j'ai y a francophonie vidé. Balongoli Penama Bastandoana, tout le monde a ongoli souté. Mais awa toza Penama n'a ba structure durable, c'est-à-dire ba immeuble bimi Penama na katia mabele et telemi. Merci. Sont allés basite mais aujourd'hui quand on a pourquoi yo émission nous est encore quoi y a les choses après c'est maramba qui le baise belle maramba y a qui le baise belle c'est là la six ça pour la boka pour un temps tu lis pendant mon cours maramba boka pour ça presser pour la carte aujourd'hui ceux qui bokeyi na site y a
y a échangeur, limité, échangeur. Bon, moi, comment est-ce que échangeur les choses à la transformer? Comment est-ce que le stade Tata Raphaël, au moins, il y a un peu de Babylon, qui est dans la République démocratique du Congo. C'est ok, il y a un martyr, mais c'est vraiment du bon. Ok, il y a un site universitaire, c'est encore plus mieux. Ça veut dire un président qui a les soucis. Il y a un tombo là, il y a un tombo là. Et par rapport au programme, il y a 145 territoires, il n'y a pas match. Aux appels journalistes, essayez un peu vraiment d'investiguer sur ça. Vous allez comprendre que le président de la République, avec son leadership éclairé, tous appels dans le banc. Et on est en train vraiment de chercher comment est-ce que ce pays peut être vraiment debout. Et la RDC doit être crainte. Et lui-même avait compris que pour la RDC, Babanga Yango, il faut que ça anime. Il faut que ça restructure. C'est ce que les ennemis ont compris. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce que ce qui est organisé, ce qui est ordonné, pas maté, il y a une possibilité à Kokota de sauter. Les Loba Rwanda, ce sont des pays en défaillance. Ils sont en déséquilibre économique terrible. Alors, moi, je suis en Naza, na Esengo, na Ndengo, invité à l'émission na yo. Numéro na biso soki ne commence mobali ali ko atteindre biso a ko atteindre biso a ko atteindre biso na plus 243 82 12 770 37 plus 243 82 12 770 37 congolais to soutenir mboka oyo mboka oyo eza énormément mboka. Il faut tout ce que la banque est un pays émergent, un pays développé, un pays qui s'assume sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan culturel, sur le plan, sur tous les plans en fait. Merci beaucoup, mon amour. Merci, Ndeko journaliste. Journalistes.